réponds. Pas qu'il y ait trop de lumière, un peu de lumière. Soit ajuster ça. Je crois que c'est bon là, non? Juste un petit peu. Je crois que c'est bon. Ok, c'est mieux. Salut tout le monde. Et je suis Vasti Gabriel. Et je vais vous lire un extrait du livre de Gary Victor. Alors, c'est un roman intitulé Le diable dans un thé à la citronnelle. Vous avez remarqué le bouquin. Ok. Juste avant de vous lire le premier chapitre, je vais lire pour vous cette partie-là au dos du livre. Né à Port-au-Prince, Gary Victor est incontestablement l'un des romanciers haïtiens les plus lu dans son pays. Outre son travail d'écriture, Gary Victor est scénariste pour la radio et la télévision. Ses sketchs radiophoniques au ton sans complaisance et son feuilleton télévisé sur les mœurs de la petite bourgeoisie haïtienne ne manquent pas de faire des vagues sur les ondes. Il a obtenu en 2003 le prix du livre insulaire pour À l'angle des rues parallèles et en 2004 le prix RFO pour Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin. Alors qu'elle se rêvait princesse indienne, Myrna, une fillette de 12 ans, est violée un après-midi sur la berge du lac Azuéi par un groupe d'adolescents mené par Blaise Maldomin, fils aîné d'une famille aisée de Port-au-Prince. Pendant une cinquantaine d'années, elle attend le moment propice pour se venger. L'occasion se présente enfin lorsque Pyrrhus, porteur de charbon d'une grande laideur, tombe éperdument amoureux d'Esmalda. Que peut espérer un pauvre porteur de charbon quand on sait qu'Esmalda est la fille belle à se damner de Blaise Maldoin, devenu entre-temps un homme riche et influent. Rien. Mais comme Pyrrhus vend son âme à Laboubaka, le diable sanguinaire, il devient à la fois beau, intelligent et le bras vengeur de Myrna. D'une écriture foisonnante où se côtoient pêle-mêle l'amour, la haine, le sang, le sexe, l'humour et le cynisme, le diable dans un thé à la citronnelle nous plonge au cœur d'une société haïtienne où conscience de classe et argent font loi. Et nous parle de la manière la plus intime qui soit des sentiments qui fondent au-delà des couleurs, des cultures et des religions l'identité humaine. Alors, c'est en gros le contenu de ce roman, Le diable dans un thé à la citronnelle, que je vais vous lire. «
sang de citronnelle. La fillette huma longuement l'air, ferma les yeux et laissa les senteurs de citronnelle prendre pleinement possession de ses poumons. Elle avança en faisant attention à ne pas glisser sur le sol, marécageux, écartant de ses petites mains les herbes hautes qui croissaient à profusion aux abords du lac. Elle n'eut pas à marcher longtemps. La pirogue était bien là, près de la cabane abandonnée, refuge dans le temps d'un vieux chasseur de caïmans. L'embarcation appartenait à trois garçons, fils de riches planteurs de la région qui, quand ils la rencontraient, lui lançaient des propos si obscènes qu'elle se bouchait les oreilles de ses doigts. Au retour de la chasse, il cachait la pirogue ici, se disant que personne ne se hasarderait dans les environs de cette case qu'on croyait hantée. Elle s'allongea dans le bois fouillé. Il était encore trop tôt pour commencer ce voyage qu'elle préparait depuis tantôt 6 mois. Depuis ce soir où tante Chantou lui raconta l'histoire du roi blanc descendu du royaume des neiges pour venir épouser Osamaïbo, la princesse indienne. Le palais, selon sa tante, devait apparaître au milieu du lac au crépuscule. Dans quelques minutes débuterait la grande aventure. Elle mit 2 doigts dans la bouche, modula 3 longs sifflements dans l'espoir de voir surgir l'iguane. Ce dernier, occupé sans doute à gaver d'insectes dans la vase du lac, là où le guano empestait l'air, ne se montra pas. L'exubérance sonore des lieux fascina la fillette encore une fois. Elle eut l'impression que ses sifflements avaient réveillé des nuées d'oiseaux, des flamants, des perroquets, des corbeaux, des colibris qui prenaient leur envol comme s'ils fuyaient une menace imminente. Elle ne put s'empêcher encore de fermer les yeux et de s'enivrer de ces senteurs de citronnelle qu'elle aimait tant. Elle imagina le spectacle qui allait bientôt s'offrir à elle. Son corps de petite fille connut les premiers frissons de plaisir quand elle se vit princesse indienne, acceptant les baisers passionnés du roi blanc. Elle s'abandonna à la douceur nouvelle pour elle de cette rêverie quand des mains l'extirpèrent sauvagement de la pirogue. Elle hurla de peur, tenta en vain de se dégager, mais les bras qui la maîtrisaient étaient presque des bras d'homme. Elle fut jetée sur des touffes de citronnelle, piétinée par des animaux venus s'abreuver au lac, alors que des mains l'immobilisaient. D'autres arrachaient ses vêtements. « Sale garce, on va faire passer ton envie de voler notre pirogue !» rugit une voix familière, celle de Blaise, l'ennemi des Maldons. La famille qui s'appropriait la fonction de député depuis des décennies. Comprenant ce qui allait lui arriver, l'enfant puisa dans son désespoir un surcroît d'énergie. Elle parvint à se libérer une main, griffa et mordit ses agresseurs. Un iguane bondit sur l'un des adolescents. On arriva à se saisir du reptile par la queue pour le frapper violemment contre un tronc d'arbre. On acheva la bête à coups de bâton. La fillette oublia la menace qui se précisait pour crier de ne pas faire du mal à son iguane qui savait lui raconter des fabuleuses histoires. Un coup en plein visage ouvrit l'arcade sourcilière de l'enfant. On écarta sauvagement ses jambes. Une douleur qu'elle n'avait jamais connue traversa ses entrailles. Son hurlement fut étouffé par les mains qui lui fermaient la bouche. Goutte à goutte, au rythme du sang qui coulait sur les lanières des citronnelles, son rêve s'effritait. Longtemps après que les garçons furent partis, elle resta allongée sur le dos, clouée par la souffrance, les yeux luisants de larmes, rivés au ciel, cherchant
Elle ne savait pourquoi l'aigle de l'Indienne aux Amaïbos. Sa haine prit alors possession du temps, extirpant de son corps douleur et souillure et bâillissant l'avenir déjà de l'attente de l'hypothétique vengeance. Comment Pyrrhus, le porteur de charbon, rencontra la belle et voluptueuse Esmalda? C'est pour le prochain live.